Et salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui on est parti pour un entraînement complet, full body de 10 minutes à faire, sans matériel à la maison. Spécifique pour les personnes qui souffrent d'obésité, qui veulent se remettre en forme. Ou pour les personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui veulent commencer à faire du sport. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Balance! Rappel, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, je me suis spécialisé dans le coaching des personnes en obésité, donc pour t'aider à perdre 30 kilos ou plus. Donc ce seront des mouvements qui seront adaptés à toi, donc il n'y aura pas de saut dans ces mouvements, il y aura des mouvements accessibles, des mouvements que tu peux faire sans problème. Et si tu as des problèmes de genoux, voilà, limite l'amplitude des mouvements au cas où. Je t'invite à avoir un tapis, une serviette, une bouteille d'eau et aujourd'hui on va faire un exercice avec des poids juste ici. Alors si tu n'as pas de poids, tu peux prendre une bouteille d'eau, ça fera l'affaire. De toute façon, on l'utilisera pour un seul exercice. Allez, j'espère que tu es prête, j'espère que tu es prêt. On y va, let's go pour l'entraînement. Là, nous allons fonctionner sur 40 secondes de travail, 20 secondes de repos, 10 minutes. Donc 5 exercices, mais 2 tours. Premier exercice, on va mettre le pied derrière ici. Voilà, allez, c'est parti. Tu mets le pied derrière et tu utilises les bras pour accompagner ton mouvement. Boum, derrière, derrière. Tu peux le faire debout. Et je rappelle, tu peux me suivre, mais l'intensité que tu peux. Si tu veux le faire assez lentement, tu peux le faire lentement, mais mets un minimum d'intensité, ok? Serre tes abdos, inspire, souffle, et continue le mouvement. Allez, on y va. Allez. Ok, tu as 20 secondes pour récupérer. Le prochain exercice. Donc là, on va utiliser les poids. Donc soit les bouteilles d'eau, soit la terre squat ici. Et tu vas descendre, fesses en arrière. Tu vas ramasser la bouteille d'eau et lever à chaque fois. Redescendre et revenir, ok? Allez, c'est parti. Tu descends, boum, tu lèves, tu poses. Ici, l'autre. Tu lèves, tu poses. Boum. Boum. Voilà. Ici, tu poses, tu prends l'autre, tu lèves et tu poses. Tu peux faire aussi une autre option. Tu te lèves, tu prends l'autre, tu poses et tu te relèves. Voilà, à ta guise. Voilà, n'oublie pas d'inspirer, souffler. Voilà, garde bien tes genoux vers l'extérieur et tu y vas. Ok. Pause. Ça ira mieux au deuxième tour, ne vous inquiétez pas. Donc, vous mettez les poids de côté. Et prochain exercice, soulevé de terre, bras tendu. Donc ici, tu descends en mode soulevé de terre, genoux vers l'extérieur ici. Et tu montes. Voilà, imagine comme si tu avais une barre. Et tu le fais. Allez, on y va, c'est parti. Tu descends ici. Et tu montes. Voilà, tu descends ici. Et tu montes, voilà, comme ça de profil, tu vois, ici. Voilà, c'est pas vraiment un squat. Là, tu pousses les fesses en arrière, tu gardes le dos droit. Tu descends, tu montes. Voilà, tu peux le faire à une intensité un peu plus rapide. Et tu y vas. Un exercice pour travailler le dos, les fessiers, les ischios. Au poids de corps, tu peux le faire. Au moins, ça t'apprend le mouvement. Et relâche. Ok. Quatrième exercice. À faire les coups de pied devant. Tout simplement. Ici, mets ton pied devant. Boum. Tu lances un coup de pied. Ok. Allez, on va bientôt reprendre. Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont venues sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Allez, on y va. Let's go. Là, je suis en train de chercher plein de mouvements adapté pour les personnes en obésité qui peuvent pas sauter, qui ont des problèmes de genoux, tout ça, ou qui veulent commencer le sport, c'est important. Bref, allez, on y va.
coup de pied devant, boum, énergique. Allez, il reste 10 secondes. Voilà, garde les abdos serrés. Ok, ok, passez au sol, asseyez-vous. Allez, on y va. Ici, vous asseyez les jambes tendues ici. Vous allez, avec vos mains, repousser ici le sol. Restez 3 secondes et vous posez à chaque fois. Ok, allez, on y va, let's go. C'est parti, 3 secondes. 1, 2, 3. Posez 3 secondes. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Et relève. 1, 2, 3. Pause. Voilà, serre tes abdos toujours, les épaules basses. Et suivre. 1, 2, 3. Pause. Un exercice qui travaille les triceps. 2, 3, pause. 1, 2, 3, pause. Voilà, repousse la paume des mains dans le sol. 1, 2, 3, et pause. Ok, c'est la fin du premier tour. On est reparti pour les déplacements latéraux. Pieds en arrière, etc. Voilà. Et mine de rien, vous pouvez vous dire ce sont des exercices tout pourri, mais en vrai, si t'as 30 kilos à perdre, ça dépense beaucoup de calories. Hein. Let's go, c'est parti. Allez, on met plus d'énergie que lors du premier tour. Soit tu te penches, soit tu restes debout. Plus que 15 secondes. Allez, allez, on y va, on y va. Ok, super, relâche. Ok. Reprenez votre bouteille d'eau ou vos poids. On est parti, on va faire squat levé, un poids, et ensuite on remonte en squat. On va faire très simple. Ok, je vais me mettre au milieu. Voilà, ici. Allez, préparez-vous. Allez, tu descends en squat. Boum. Tu prends le poids, tu lèves. Tu poses et tu remontes en squat. Boum. Descends, prends le poids, monte. Descends, remonte, sans. Allez, c'est parti. Une fois que tu as les mécaniques, tu y vas. Voilà, prends des poids légers en fonction de ton niveau. En fonction de l'intensité que tu veux travailler. Voilà, n'oublie pas, on garde le dos droit, hein, la base. Ok, relâche, remets les poids de côté. On est parti pour le soulevé de terre. Voilà, soulevé de terre, les bras devant. Tu écartes tes pieds, largeur épaule. Soulevé. Allez, en position. Et c'est parti. Tu descends et tu montes. Voilà, ça te permet d'apprendre le mouvement du soulevé de terre quand tu vas le faire en salle. Voilà, inspire, souffle. Voilà, garde bien tes genoux vers l'extérieur ici. Les mains entre les genoux. Et tu y vas. Voilà, garde bien tes talons dans le sol. Et allez, reste 5 secondes. Ok, coup de pied devant. Prends ton temps de pause. Tu veux boire une petite gorgée, bois une petite gorgée. Allez, il nous reste 2 exercices. On aura fini pour aujourd'hui. Allez, coup de pied devant. Et c'est parti. Allez. Allez, mets de l'intensité. Maximum. Allez, donne toute ton énergie. Tu es là pour brûler du gras. Pour commencer à brûler du gras.
Allez, allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Pas venu pour abandonner maintenant. Allez. Ok. Ok, mets-toi au sol, assis-toi. Tu as 20 secondes. On va faire pousser avec les dips. Repousser les mains dans le sol. Les bras proches du corps. Et tu vas lever 3 secondes, poser 3 secondes. Allez, on y va. Let's go. Allez, 1, 2, 3, pause. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, pause. Ok, serre bien tes abdos, c'est parti. 1, 2, 3, et pause. Super. Encore. 1, 2, 3, let's go. Voilà, inspire, souffle. Et pousse. 1, 2, 3, pause. 2, 3, repousse. 1, 2, 3. Ok, très bien. Allez, encore, lâche pas, c'est bientôt fini. Jusqu'à la fin. Ok, pause, et c'est terminé. Ok, très bien. Relevez-vous, prenez le temps. Ici. Ok, super. C'est la fin de l'entraînement. Cet entraînement est excellent si tu veux reprendre le sport ou en finir avec l'obésité. Cet entraînement, il est fait pour toi, 10 minutes. J'ai fait d'autres vidéos entraînement du même type. Donc, je t'invite à aller cliquer sur la vidéo. Je ferai une playlist de toute façon. Donc, je mettrai la playlist dans la description et tu pourras trouver les entraînements comme ça. Tu pourras, pourquoi tu vas pas te créer un programme, pardon. Et comme ça, tu vas t'initier au sport et prendre l'habitude de faire du sport et progresser. Et ensuite, et même perdre du poids si tu es assidu. J'espère que la vidéo t'aura plu. Donc,